prête ? Emma Blair, veux-tu m'épouser? Oui! Mesdames et messieurs, Jesse et Emma Lerner! Je peux pas partir pour l'Alaska comme ça. On va célébrer en grand à mon retour. Allô? Votre mari était à bord d'un hélicoptère qui s'est écrasé dans le Pacifique hier. Jesse, au début, c'était trop dur de m'y résoudre. Je refusais d'accepter que tu n'étais plus là. Mais j'ai commencé à croire que les bons jours pouvaient peut-être devenir de bonnes semaines ou de bons mois. J'aborde le monde avec un cœur ouvert maintenant. Emma ? Sam ? C'est un secret pour personne que je suis follement amoureux d'Emma depuis quelques années. À la famille ! À la famille ! À la famille, oui. Allô ? Chérie, c'est moi. Je suis en vie. Tu peux pas porter ça à tes retrouvailles avec ton mari disparu. Emma ! Mon Dieu ! Je te jurais que si on se retrouvait, je te dirais à quel point je suis désolée d'être partie. Je suis fiancée. Quoi ? Toi et Jesse, vous aviez une vie magnifique et ensuite, on croyait tous qu'il était mort et toi, tu as trouvé l'amour à nouveau auprès d'un gars génial. Peu importe ce que tu fais, tu vas briser le cœur de quelqu'un. C'était inutilement verbeux, mais assez juste. Je veux juste qu'elle m'aime plus qu'elle l'aime lui. Tout ça, c'était incroyablement inapproprié. Alors j'arrête tout de suite. Non, monsieur, pour l'amour du ciel, continuez de parler. Est-ce que tu l'aimes ou non ? Elle devrait être avec la personne qu'elle aime le plus. Pas forcément avec la personne qu'il aime le plus, elle. Harry, je peux pas le perdre. Le perds pas, alors. T'as juste à lui dire... On va quand même pas faire le cours sans parler de votre beau mari. Quoi ? Mon quoi ?